Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux troubles du comportement en sommeil paradoxal. Et généralement, pour raccourcir un petit peu, on appelle ça le TCSP. Donc le principe de ce trouble, en fait, c'est que la paralysie durant la phase REM, eh bien tout simplement, elle ne se produit pas ou elle se produit partiellement. Donc pas de paralysie durant la phase REM. Et ça, c'est assez problématique, puisque la phase REM, c'est la phase principalement des rêves. Donc si on n'a pas la paralysie du corps qui s'opère durant cette phase, eh bien on risque de faire des mouvements involontaires qui sont liés précisément à nos rêves. Et c'est précisément ce que l'on observe dans les patients qui ont un trouble du comportement en sommeil paradoxal, c'est que justement il y a une forte activité durant le sommeil REM, et qui est davantage renforcée lorsqu'il y a des cauchemars, donc encore davantage lorsqu'il y a des cauchemars. Et par exemple, les patients peuvent faire l'expérience de coups, de cris, et ils se comportent un petit peu comme des animaux effrayés. Et pour voir ça un petit peu plus précisément, on peut voir justement dans la vidéo qui va suivre, concrètement ce que ça donne. Je suis resté à un coup pour m'expliquer ça. Je veux maintenant des explications. Tu viens, tu vas foutre le coup, qu'est-ce que tu veux voir? Quelle petite salope. Parce que tu vas traîner dans les rues et tu viens là, tu commences. Tu sais, je te connais. Je connais. Donc vous voyez le patient dans cet état, il crie, il bouge, etc. Et là en l'occurrence il est tout seul, donc la seule chose qu'il risque c'est de déranger son sommeil, d'avoir un sommeil qui n'est pas réparateur encore une fois, mais c'est un petit peu plus problématique lorsque vous dormez avec un partenaire, puisque vous risquez justement de le blesser. Et donc ça peut entraîner pas mal de difficultés, pas mal de problèmes. Donc les deux problèmes principaux, c'est que ça dérange le sommeil. Et deuxièmement, il y a un risque de blessure sur soi-même ou sur son partenaire. Et ce trouble, souvent, il est associé à des maladies dégénératives, comme par exemple Parkinson. Et il est même tellement lié à ces maladies dégénératives que, généralement, le fait que l'on ait un trouble du comportement en sommeil paradoxal, c'est souvent en réalité le signe justement avant-coureur que l'on a une maladie neurodégénérative. Donc si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, n'hésitez pas à consulter un médecin, puisque ces vidéos, elles ont vraiment simplement un but éducatif, pas du tout médical. Mais simplement pour donner un petit peu un ordre d'idée de la manière dont ce trouble du comportement en sommeil paradoxal est traité, généralement, il est traité avec un médicament qui s'appelle le clonazépam. Donc, clonazépam, qui est un anxiolytique, c'est-à-dire un médicament qui réduit l'anxiété. Et à cela, on ajoute également de la mélatonine. Et on l'a vu dans une autre vidéo, la mélatonine, c'est une hormone qui régule le sommeil. Et la dernière chose, généralement également dans ce trouble du comportement, c'est que le patient doit modifier son environnement pour éviter justement de se blesser lui-même ou son partenaire. Donc modification généralement du lit. Et on en est donc terminé avec ce TCSP, ce trouble du comportement en sommeil paradoxal. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et on se voit dans la prochaine vidéo pour terminer notre étude des parasomnies.